Oh ben c'est du joli. Quoi? Y a notre voisin qui est en train de faire les besoins de son chien dans notre jardin là. Quoi? J'ai dit y a notre voisin avec son chien qui sont en train de faire les besoins de ce dernier dans notre jardin là. Quoi? J'ai dit on n'a pas besoin du chien du voisin dans le jardin. Ben, t'as qu'à y aller puis lui dire. Ouais ben justement tu vas voir un bonjour je vais. Un bonjour. Mais vas-y maintenant qu'est-ce que t'as fait de tes couilles? Moi qu'est-ce que j'ai fait de mes couilles? T'as pas de couilles. Ah j'ai pas de couilles. Eh ben tu vas voir je vais lui montrer moi à ce chien de pas faire les besoins de jardin dans mon voisin. T'oseras jamais. Le temps de trouver mes bottes et mon pull et je. Il fait 28 degrés dehors et c'est la sécheresse. Ah, c'est vrai. Eh ben, il faudrait que je trouve... Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche ma raquette et j'en profiterai pour aller faire un petit tennis. Mais t'as jamais eu de raquette de ta vie? Ah, ben voilà pourquoi je la trouve pas. T'as peur d'aller parler aux voisins? Pas du tout. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? J'attends rien du tout. Il n'a qu'à bien se tenir. Mm-hmm. Alors, est-ce que t'as besoin de quelque chose chez Mammouth? Non, on a tout ce qu'il faut. Tu pourrais me faire une petite liste, peut-être? Non, 7-8 pages. Non, merci. Bon, alors... Qu'est-ce que tu fous? J'allais oublier de programmer le truc, là, pour enregistrer le feuilleton du lundi. Tu dis toujours que c'est con, la télé, le lundi. Oui, c'est pour ça que j'enregistre, c'est pour la regarder mardi, voir si c'est moins con. Tu vas lui parler ou pas? J'y vais. C'est ça, vas-y. Oh, tiens, il y a une mouche dans la maison. Tu t'en occuperas plus tard? Non, ça je peux pas supporter, faut la faire sortir. Dis donc, t'es malade ou quoi? Mouche, viens ici ma belle mouche, viens. Mais t'en as pour la journée avec cette technique-là. Viens, sors par la porte ma mouche. Je vais te montrer comment on fait moi. Voilà. Eh ben bravo. Ben quoi? On reconnaît bien ton caractère. Qu'est-ce que tu veux dire? Aucun dialogue, paf. Est-ce que tu vas causer aux voisins ou t'attends qu'ils se tirent? J'y allais, c'est parce qu'il y a des choses qui... Qu'est-ce que tu fais encore? Il est vraiment temps de réparer cette porte. Tu sors, oui ou merde? Ah oui, j'oubliais. C'est moi qui réponds. Oui, allô? Couillard. Belle maman, comment allez-vous? Oh ben, j'aurais tout vu. Racontez-moi donc votre vie dans le détail 3 ou 4 fois. D'habitude, être l'écasse. Ah, tiens, elle a raccroché, elle croyait avoir fait un faux numéro. Décidément, tu veux vraiment pas sortir parler aux voisins. Je vois pas ce que tu veux dire, regarde, j'y vais, là. Surtout, ne va pas trop vite. Ça y est, voilà autre chose. Allons bon. La porte, elle est verrouillée. Oh ben, tu parles d'un problème. Alors, ça veut dire qu'il faut que je tourne le verrou. Sors! Oui. Ah! Salut! Je sors de chez moi et qui c'est que je vois-t-il pas? Eh ben tant mieux si tu le vois-t-il pas. Oh tiens, le joli petit chien qui est accroupi. Qui est quoi? Qui est accroupi. Non, il est pas accroupi, il est à moi. Non, je veux dire, il est en train de... Hein? Il est en train... Il est pas en train, il est à pied. Ah, elle est bien bonne! Oh, suis-je bête! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de m'apercevoir que je suis en train de mettre mon jardin en dessous de ses petits besoins, là. Ah, oh, ben, je vous en fais pas, c'est pas grave. En tout cas, je tenais à vous dire, là, si jamais il vous prend une envie, là, de ne plus le ramener chier sur... Oh, c'est gentil. Faut pas vous gêner, là. C'est gentil, mais non, c'est trop d'amabilité.